Alors, un aperçu de la foule. C'est l'autre côté de la scène. Hey, hey! Un revenant, pas pire, toi? Ouais. Live? Oui. Alors... Hey, PL! Madame le track? Deux en deux, pas pire. Ah, t'es quand là-dedans? En fin de semaine, j'ai filmé Lutte commune. OK. L'UQAM, les choses des syndicats. Asti, c'est Gilles Duceppe qui est ici. Il y a Gilles Duceppe dans le fond là-bas. Un peu de récupération politique, comme toujours. Alors, il y a... Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être ici. Ça va commencer vraiment bientôt. Juste pour vous dire, vous voyez, il y a déjà des gens qui ont des chandelles pour la vigile. Si vous en voulez, simplement vous dirigez sur le côté ici, il y en a. Si vous voulez avoir des chandelles, vous réchauffez les mains et le cœur. Donc, ça ne sera pas long. Merci. Alors, toujours en direct de la gare Jean-Talon à Montréal pour la grande vigile. Sur les ondes de 99media.org, we are still live on 99media.org from the vigil in Montreal at the corner of Park Avenue and Jean-Talon Street. Speeches will soon begin right here on the stage. In the meanwhile, people are passing out candles and lighting them. Alors, bientôt, les discours auront lieu sur la scène, juste à ma droite ici. En attendant, les gens se passent des chandelles et les allument. Ce qui donne une bien belle image.
Still awaiting speeches, toujours en attente des discours. Alors, on peut facilement estimer la foule à... Oh, les premiers 1000, 2000, 3000 personnes en ce moment. So, quick estimate at 3000 people right now. On va en profiter peu. Hey! Oui, t'es live en ce moment. Écoute, c'est longtemps qu'il n'y a pas eu du live de 99% Média. C'est le fun de voir qu'on est présent dans un événement aussi important. Comme... Bon retour, Simon, sérieusement. Là. Merci, Pierre-Luc. Oui, mais du même coup, merci à toi pendant ce temps-là d'avoir couvert ce que tu as pu couvrir à travers les derniers mois pendant que j'étais pas là. Et tout le monde qui nous écoute en monde, si vous avez envie de faire un peu de journaliste, vous intéressez à l'actualité, venez nous rejoindre, contactez-nous, sérieusement, on cherche du monde qui a envie de courir, qui a envie de s'intéresser. Ça n'a pas besoin d'être stérile comme les médias de masse, ça n'a pas besoin d'être du riot porn. Si vous avez envie de faire, proposez-le, on est ouvert, venez nous rejoindre. 99media.org sur Internet pour trouver les détails dans la section « S'impliquer ». Merci, Pierre-Luc. Think of the shot, puis tous les photographes se rappellent pour faire la même. Yeah. Quand je suis en photo, je fais la même affaire. Ouais. Alors, pour ceux qui remarquent un son de meilleure qualité comparé aux autres fois, nouveau setup en cours d'utilisation. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, mais que je regarde ça ce soir. So, for those of you who notices that the sound is better quality than usual, this is a brand new setup with new Sennheiser equipment. So, yeah, I can't wait to do a listen back tonight when I get home and see how this thing turns out. I'm really hoping the sound is good. Ça va, allez?
Ouais. C'est quoi qui se passe avec mon autofocus? Alors, ça, c'est de même que les grands médias que vous revoyez aux nouvelles de 10 heures font leurs images. Tout le monde est dans les jambes de tout le monde. So, this is how mainstream media get their image for the 10 o'clock news. Everybody, like, almost on top of one another. Même lui qui est pogné en petite boule ici, dans le coin. Par contre, lui, il travaille avec quelque chose à C300. Wow! C'est ça? Oh! Pas grave, c'est un beau modèle de caméra pareil. Tous les gens sur le devant de la scène, c'est tout du média. All the people on the front of the stage right now, they're all media.
Alors, on est toujours en attente du début des discours. We are still awaiting the start of the speeches. Alors, ça fait un bon 5 minutes qu'on a demandé aux médias de clairer la scène, mais je suis pogné en arrière d'un autre paquet qui est...
jammer directement sur le bord de l'escalier. Bon. On s'installe à l'arrière d'abord. Oui. OK, super. Donc, c'est cher. Les noms que je viens de prononcer, c'est les noms des victimes de l'attentat à Québec. Je suis vraiment impressionnée de voir le nombre de personnes qu'il y a là aujourd'hui pour venir faire avec nous deux choses. D'abord, vivre le deuil, mais aussi se dire qu'on n'est pas tout seul. Toutes les émotions que vous avez vécues sur les médias sociaux ou en regardant la télé, les gens à votre droite et à votre gauche les ont vécues en même temps que vous. Comment ça se fait que ça arrive chez nous? Qu'est-ce qui se passe? Je me sens impuissant, qu'est-ce que je peux faire? L'objectif de la journée d'aujourd'hui, c'est une initiative citoyenne. Donc, c'est des citoyens qui sont là pour s'adresser à vous. On voudrait saluer les élus qui sont ici, mais malheureusement, ils ne prendront pas la parole, mais on tient à saluer leur engagement et le fait qu'ils soient présentés avec nous. Donc, on veut vous dire merci beaucoup. Ça ne durera pas longtemps, je sais que vous avez extrêmement froid. Mais je pense que c'est important de prendre le temps de s'accueillir et d'entendre ce que les gens ont à dire. Donc, je vais laisser les intervenants se présenter à vous. Puis par la suite, nous aurons un moment de recueillement pour les personnes. Juste vous dire que je vois les gens complètement au bout sur la rue Jean Talon. On vous voit. Merci d'être là avec nous. Vous êtes une très, très grande foule, donc ça ne sera pas très long. Merci. Ici. Salam alaikum. Bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Asma Ibn Zahir. J'aimerais tout d'abord exprimer mes prières pour les victimes d'hier et j'aimerais aussi transmettre mes prières pour leurs proches. Allah irhamhum. Notre présence ce soir ici est très importante, non pas pour exprimer notre surprise, mais plutôt pour exprimer notre indignation et notre ras-le-bol. J'inclus dans le nôtre toutes les personnes citoyennes de quelque origine que ce soit, de quelque croyance que ce soit, qui en ont assez de la culture de racisme présente dans notre société. Oui, j'ai bien dit la culture de racisme. Cela a commencé il y a des siècles par le génocide des Autochtones et le vol de leurs terres et continue aujourd'hui à l'égard des Autochtones, mais aussi des Noirs, des Arabes, des Latinos, des Asiatiques et j'en passe. Il y a quelques mois, nous parlions de la culture du viol qui pourrit la vie des Québécoises dans notre société. On parlait alors de tous ces gestes d'apparence mineure, mais qui banalisent le sexisme et conduisent dangereusement vers des actes de viol. De façon analogue, nous nous devons aujourd'hui de parler de la culture du racisme. Il s'agit alors des micro-agressions, des discours politiques et médiatiques, des projets de loi, des représentations des personnes de confession musulmane, mais aussi des silences devant des propos profondément racistes et islamophobes qui empoisonne le quotidien de dizaines de milliers de musulmanes et de musulmans au Québec depuis plus de 15 ans maintenant. Lorsqu'on entend les pyromanes islamophobes exprimer leur consternation, verser des larmes, se dire surpris, et parce que Québec est une ville si paisible, nous leur répondons que pour plusieurs personnes racisées, noires, arabes ou autres, qui ont vécu ou grandi à Québec, non, ce n'était pas Wonderland. La paix et la sécurité à Québec et au Québec en général ne vient pas tout juste d'être perturbée. Pour des dizaines de milliers de femmes autochtones au Québec, leur sécurité est menacée depuis bien longtemps. Pour des dizaines de femmes musulmanes, leur sécurité est menacée depuis que le Québec s'est lancé dans les traces de la France par ses politiques islamophobes. Et pour des dizaines de milliers de personnes québécoises de foi musulmane,
L'acharnement politique et médiatique, les manipulations politiques sont tout sauf des expressions de la paix québécoise. L'industrie de l'islamophobie est très lucrative et certains la défendent bec et ongles. Certaines personnalités médiatiques et politiques, entre autres, refusent la légifération sur les discours haineux pour défendre leur liberté d'expression. Eh bien, nous leur disons que votre liberté d'expression haineuse se heurte au droit à la vie des personnes québécoises de foi musulmane ce soir. Votre privilège de déblatérer vos propos racistes dans le confort de vos bureaux ou dans vos salles de rédaction menace la vie de milliers de citoyennes et de citoyens de foi musulmane depuis des années. Et en passant, peu importe qui a commis les attentats d'hier, la haine de quelque bord que ce soit ne tombe pas du ciel. Elle prend racine dans un environnement politique et social qui la sème et l'arrose. Pour finir, j'aimerais dire que nous ne voulons pas de la sympathie de celles et ceux qui, depuis des années, conçoivent des projets politiques, des codes de conduite, des tests de légitimité citoyenne visant les citoyennes et citoyens musulmans. Aujourd'hui, nous devons leur demander à ce qu'elles et qu'ils aient l'humilité et l'honnêteté de faire un examen de conscience pour reconnaître leur rôle actif dans l'attentat terroriste d'hier. Et une fois cet exercice complété, qu'elles et ils rendent public leur mea culpa, tout comme ils aimaient et elles aimaient diffuser leurs propos racistes. Merci, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Peace avec vous. Mon nom est Sam Gardy et je suis le directeur exécutif de la Conseil national des musulmans canadiens. Canadians of all backgrounds stand united against hate. We stand in solidarity with all people and with all communities. This type of horrific terrorist act does not represent who we are as a nation, and we will condemn this act together. Voices of love and compassion will drown out the divisive voices that seek to hurt us. Canadian Muslims are deeply impacted and frightened by this brazen attack. However, we are heartened by the strong words of support we have received from Canadians from coast to coast and from our elected officials. This is the moment for all of us to reaffirm our collective commitment to nurturing inclusive communities where everyone is welcome. Fellow Canadians have been overwhelming in their support and love, and this is what will sustain our communities in this difficult time and heartbreaking time. We pray for the victims and for their families. We pray for Canada and we pray for the world. We urge all municipalities, officials, and institutions to endorse the National Council of Canadian Muslims Charter for Inclusive Communities as a symbolic show of solidarity, available on our website at nccm.ca, because we are stronger together. Merci. Assalamu alaikum. Bonsoir toutes et tous. Samira Al-Aouni, du COR, en mon nom personnel et au nom de notre organisme, le COR, Communication pour l'ouverture et le rapprochement interculturel, j'exprime une extrême compassion aux familles des victimes, leurs proches et leurs amis, d'ici et d'ailleurs. Nous partageons vraiment leur douleur qui devient la nôtre. Cette tragédie ne concerne pas seulement les communautés musulmanes, mais l'ensemble des Québécois, Québécoises, Canadiens, Canadiennes, où qu'ils soient. Ne nous laissons pas envahir par ces gestes de haine, mais ouvrons notre cœur à l'amour envers tous nos frères et nos sœurs humains. Cultivons nos sentiments de respect, de fraternité, d'amitié, pour construire ensemble un Québec généreux. Ali, le disciple du prophète, que paix et salut soient sur lui, disait « Respecte l'être humain, s'il n'est pas ton frère en religion, il est en humanité. » Le Québec a toujours été et est encore, et j'ai confiance, une terre d'accueil, d'ouverture, de bienveillance et de respect. Certes, depuis 2001, nous assistons tous à une montée fulgurante d'intolérance, de rejet, de xénophobie et d'islamophobie. Cette situation est accentuée par certains chroniqueurs en mal de d'écoute, de cause d'écoute, par certains politiciens populistes à la recherche de vote, par certains intellectuels en mal de notoriété. Malheureusement,
par certains citoyens victimes de leur propre méconnaissance et de leur environnement médiatique. Jamais nous ne baisserons les bras devant de telles tragédies ici au Québec ou ailleurs dans le monde. Aucune vie ne doit être fauchée de cette façon ou subir une quelconque violence. Retrouvons notre humanisme, soyons solidaires dans toute notre diversité d'origine, de couleur, de religion ou d'absence de religion, de genre, d'orientation sexuelle. Je tiens à remercier mes concitoyens et concitoyennes québécois et canadiens pour leur élan de solidarité, leurs mots de soutien et leur attitude de rejet de l'intolérance. Au-delà de cette solidarité, le temps est venu, mesdames et messieurs, pour une réelle réflexion en profondeur sur comment construire ensemble une société où le rejet, l'intolérance, la xénophobie, l'islamophobie et le racisme n'auront plus de place, mais de façon concrète et non pas par des beaux slogans. Je demanderai aux croyants, pratiquants, de lire la Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لأرواح الشهداء pour les victimes de cet assassinat. Bonsoir toutes et tous. Je vous remercie de cette présence qui représente le vrai visage du Québec et le vrai visage du Canada. En solidarité avec les victimes de cet attentat terroriste, cette présence est la preuve qu'on est plus fort que la haine, qu'on est plus fort que la violence, et le meilleur des messages que nous pouvons envoyer par cette présence large. C'est nos condoléances à ces familles, et les meilleures des condoléances qu'on peut envoyer aux familles des victimes et des gens blessés, c'est le message que nous envoyons à nos politiciens, qu'il est temps qu'ils aient le courage de commencer la lutte contre la haine. C'est le discours de haine, le discours islamophobe, xénophobe, raciste en général, qui a préparé le terrain pour que cet acte soit commis. Et c'est ce discours de haine qui prépare le terrain pour des actes probablement qui sont plus dangereux dans le futur. Et il est temps maintenant, qu'on commence une lutte, main dans la main, tous unis, Canadiens, Canadiennes, Québécois, Québécoises, ensemble, nous devons travailler avant qu'il soit trop tard, avant qu'on lise ce type de gens qui ont attaqué la mosquée, qu'on les ait comme premier ministre. Si on ne commence pas maintenant, on va les avoir comme députés et comme premier ministre du Québec. Si on ne commence pas maintenant. Merci à tous et à toutes. Salam alaikum, bonsoir. Eve Torres, la Voix des Femmes. Hier, j'ai lu la colère. Hier, j'ai lu la tristesse. J'ai lu aussi la consternation, mais pas tant de surprises. Mes premières pensées sont pour les victimes et leurs familles, que Dieu leur ouvre les portes du paradis et soulage la douleur de celles et ceux qui restent. J'ai pris la peine de prendre quelques témoignages de femmes de notre organisme pour prêter ma voix au plus grand nombre. D'abord, je questionne nos politiciens, je questionne nos médias. Pourquoi faut-il arriver à des pertes humaines pour souhaiter que vous preniez enfin au sérieux nos appels à la lutte contre l'islamophobie? Pourquoi faut-il des pertes humaines pour entendre votre indignation? Les insultes, les bousculades, se faire cracher dessus, le vandalisme dans les mosquées, ça n'était donc pas suffisant. Devons-nous dire à des enfants que leur père ne rentrera pas ce soir pour sortir du déni et réveiller les consciences?
Vous exprimez aujourd'hui votre sympathie à notre endroit. Merci. Mais bien honnêtement, ce que nous voulons, ce sont des actions, des mesures concrètes pour contrer l'incitation à la haine et à la violence. Aussi, je pense à quelques femmes qui se reconnaîtront, dont je salue le courage et la détermination. Une qui a déposé plainte récemment pour un acte criminel. Un individu lui a foncé dessus volontairement avec sa voiture. Une autre qui va voir un agent de la STM car dans la voiture est inscrit « Il faut tuer tous les musulmans ». L'agent n'a pas bougé, bien qu'elle lui mette sous le nez la photo du message en disant que c'est de l'incitation à la haine. Et nombreuses sont celles qui marquent leur résistance, qui font preuve de courage face aux agressions et micro-agressions du quotidien dans l'indifférence, sans pour autant se laisser aveugler par la rancœur, la généralisation, parce que nous connaissons notre Québec et nous avons confiance en lui. Mais ce soir, l'âme déchirée par cette tragédie, il va falloir nous aider à continuer à croire que c'est possible. Ce soir, il va falloir que nous puissions retrouver notre sérénité. Pour y arriver, nous avons besoin les unes des autres, nous avons besoin de solidarité et nous avons besoin de décisions politiques qui condamnent l'incitation à la haine et à la violence, qui reconnaissent, condamnent et traitent l'islamophobie sans la minimiser, sans nous dénigrer. Quant à nous toutes et tous, soyons fiers de ce que nous sommes, de qui nous sommes. Peu importe la religion, la couleur de la peau, l'origine, l'orientation sexuelle, tous les êtres humains ont la même valeur. Toutes et tous avons droit au respect, à la dignité, à la sécurité. Alors restons debout, solidaires, et prenons la parole chaque fois que nécessaire. Osons dénoncer, osons nous indigner. Il n'y a pas pire que le silence. Et puisque certains aiment les murs, très bien. Formons un mur toutes et tous ensemble qui ne laissera passer aucune forme de stigmatisation et aucune forme de discrimination. Merci. Merci tout le monde pour être ici aujourd'hui. Today is a cold day, but my heart was warm to see so many people here. People from all backgrounds, and I truly did not expect this. I thought, you know, half this crowd would be Muslim majority, but that's not the case. Muslims in this crowd are a minority, and that's a great thing today. We are one people, and when one of us are hurt in the society, all of us get hurt. And that's why we are coming together today, all of us together, from throughout society, to say that an attack against one of us is an attack against all of us. We all have a role to play in what's happening here today. All of us have taken times out of our precious day, to come and mark the passing of six people. We all have a role to play, and we're doing this right now. We have conversations that we must have with our colleagues, our co-workers. We all can do something by writing to the papers, by calling in the radio show, or by just posting on Facebook and tweeting on Twitter. That does make a difference. I'd like to ask us to call government and media to be responsible in their conversations that they're having around minority groups and around Muslims. And I'd also like us to remember that we must call for the positive contribution of Muslims and minorities in our society to be celebrated and recognized. And it's only then that we will have a positive discourse and that we will move away from the type of problems that we're seeing today. Thank you, everybody, for being here today. Salam alaikum, bonsoir. Merci à vous toutes et tous d'être présents avec nous pour ce recueillement. Au-delà de n'importe quelle frustration que nous ressentons, nous pouvons ressentir depuis hier et même depuis cette fin de semaine, celle de l'immense tristesse est prédominante. Nous envoyons nos plus sincères prières aux familles des victimes. Personnellement, en tant que croyante et musulmane, j'aimerais tout de même leur dire qu'il n'y a pas plus belle mort que celle de pouvoir quitter un être, alors que nous savons que sa dernière intention était celle de vouloir partager un moment de sérénité et de prière et de rencontre avec Dieu. Et donc, j'espère que les familles pourront au moins retrouver un certain réconfort
en sachant que leur père, leur frère ou leur oncle avaient la plus belle des intentions. Nous accueillons également les prières et les appels à la solidarité de tous nos concitoyens québécois et canadiens. Mais je tiens à souligner que les dernières années ont été très difficiles. Les communautés musulmanes ont été incroyablement blessées, harcelées, intimidées par les propos islamophobes, des critiques virulentes à notre endroit et des tentatives de projets de loi qui visaient à nous empêcher de travailler avec nos symboles religieux. Les femmes musulmanes étaient encore plus la cible de cette violence. Il y a eu des immenses ruptures de confiance et nous nous retrouvions souvent seuls à devoir lutter pour le peu de respect qu'il nous restait. Nous sommes aujourd'hui ici en grand nombre. C'est magnifique de vous voir ici, surtout moi, à partir de cette scène-ci. Vous êtes tellement nombreux, diversifiés, toutes races confondues, hommes et femmes, de n'importe quelle origine. Oh, pardon, je ne savais pas. Donc voilà, nous sommes ici aujourd'hui en grand nombre, réunis par la tristesse, mais également réunis par le refus de la violence et de l'aliénation. J'espère, j'ose espérer que ces événements puissent nous propulser vers un nouveau chapitre et nous secouer, et qu'il soit clair et catégorique que l'islamophobie, le racisme et le procès des musulmans n'ont plus sa place en politique, dans nos quartiers ou dans les médias. Merci d'être avec nous ce soir. Restons proches. Je sais que vous avez froid, ça ne sera pas très long. Ça va être rapide après les prochaines paroles. Je voudrais une autre fois remercier, je sais que des politiciens se sont joints à nous. Malheureusement, la scène aujourd'hui, elle est pour les citoyens, mais on tient à les remercier chaleureusement de leur présence. Je m'appelle Arun Boisy, je suis de l'association Amal Québec. Chers frères, chères sœurs, chers amis, chers camarades, assalamu alaikum. Que la paix soit avec vous. À tous ceux qui ont perdu un être cher, assalamu alaikum. À tous ceux qui sont entre la vie et la mort aujourd'hui, assalamu alaikum. À tous les musulmans qui sont présents malgré l'effroi et la peur, assalamu alaikum. À tous nos concitoyens et nos concitoyennes qui se sont déplacés aujourd'hui pour se recueillir, assalamu alaikum. Aux différents élus qui sont présents, aux élus du peuple québécois, assalamu alaikum. Chers frères, chères sœurs, chers camarades, nous sommes aujourd'hui réunis dans des moments difficiles et notre message est clair. Nous sommes réunis pour rappeler aux terroristes que vous ne nous diviserez jamais. Nous sommes ici pour rappeler aux identitaires, aux suprémacistes, aux néo-nazis que vous ne nous diviserez jamais. Mais nous sommes aussi ici pour rappeler aux chroniqueurs, aux Mathieu Bocoté, aux Martineau, aux Christian Rioux, tous ceux qui nous ont divisés, classifiés, montés les uns contre les autres, vous ne nous diviserez jamais. Aux politiciens calculateurs, ceux qui profitent de nos peurs, ceux qui profitent de nos craintes, ceux qui attisent la méfiance envers l'autre, envers les musulmanes, envers nos lieux de culte, vous ne nous diviserez jamais. On est ici pour dire non. Non à Trump, non à Poutine, non à l'Arabie Saoudite, non à Netanyahou, ceux qui veulent nous plonger dans une guerre infinie, ceux qui veulent nous monter dans leur soi-disant guerre des civilisations, vous ne diviserez jamais. Nous refusons votre haine, nous refusons vos bombes, et aujourd'hui, nous pleurons nos morts. Chers frères, chères sœurs, chers amis, chers camarades, les Québécoises et les Québécois sont sortis pour nous dire aujourd'hui à Québec qu'ils sont unis dans l'adversité. Ils sont sortis à Chicoutimi, à Sherbrooke, à Trois-Rivières pour rappeler qu'ils condamnent la violence et la haine. Les Québécoises et les Québécoises de Montréal aujourd'hui sont sortis pour rappeler que notre bataille, c'est la bataille du vivre ensemble. La seule lutte que nous allons mener ensemble est la lutte contre l'injustice, contre les inégalités. Et malgré nos différences, l'idéologie qui va nous unir, la doctrine avec laquelle nous allons travailler ensemble et sans relâche sera celle de la paix, de la justice, de l'égalité et de la liberté. Chers frères, chères sœurs, chers amis, chers camarades, vous êtes beaux. Noirs, jaunes, blancs, musulmans, juifs, chrétiens ou athées, autochtones,
Canadien, Français, Arabe ou Latino, hétérosexuel ou membre des communautés LGBT, anglophone ou francophone, votre présence aujourd'hui rappelle à quel point notre nation est forte. Votre présence aujourd'hui rappelle à quel point notre nation est unie et une et indivisible. Que notre diversité fasse notre force. Chers frères, chers sœurs, chers amis, chers camarades, assalamu alaykum. Que la paix soit sur nous. Merci. Gwen, Adavers, assalamu alaikum, bonjour. Mon nom est Farah Najjar et j'ouvre mon discours avec une section du Coran dont ma mère m'a récemment introduit. Oh Rab, open for me my heart. I acknowledge the unceded Ganyan Kahaga Mohawk land on which we are gathered here to mourn tonight. As an anti-racist, feminist, queer, South Asian Muslim woman, I acknowledge the grief. The grief and injustice that this land experiences and witnesses on a daily basis, including ongoing systemic oppression against Indigenous and Black nations, against migrant and racialized communities, including Muslim communities, and against queer, trans, women-identifying people who are part of these communities. After a day of checking in with family in the U.S. amidst fascism, including systemic violence against refugees and Muslims, I found myself in moments of speechlessness, grief, rage, uncertainty upon hearing the tragedy in Sainte-Foy. I continue to be faced with an incomprehension to understand how much systemic hate can exist in this world and how much hate can be transformed into organized murder. I am thinking about those in Sainte-Foy, those who died at the mosque, those who have been wounded physically, emotionally, spiritually. I am thinking about those who are fighting to survive. My thoughts are with you. I want to say that this injustice stops here and now. That systems based on oppression, power, and privilege leading to the tragedy we are trying to grapple with today must end now. It must. I also know that so many of us have been saying this for far too long, including protesting state-sanctioned white supremacy and xenophobia, like the racist and misogynist Unreasonable Accommodation Commission and the so-called Charter of Values. And so I invite us to take a moment to reflect on our humanity and to keep holding each other in all of our complexity, lived realities, and our identities, to keep holding each other as community, to keep holding each other in space, in words, in art, in conversation, in breath, with deep love, care, and compassion, to keep holding, and keep holding. Please let us remember to keep taking care of ourselves as we take care of each other during this trauma, to my family, to my friends, to communities who are living in fear and sadness. Let us breathe in resilience, and let us breathe out resilience. We will make it through, even through the haze of our tears, in solidarity, in our fight for social justice and liberation. I end with words from my dear mom, who continues to teach me the values and politics of love, care, openness, and justice. She could not be here tonight because she is taking care of family members. And so when I asked her what message she would have to share, she expressed her condolences to families and wishes strength and serenity upon them. May those who passed away rest in peace. And she also stated in her mother tongue, Urdu and Hindi, Sabko rehne ka haq hai, pure duniya mein,
everyone has the right to live in this world. Aman ke saath rahein. May we live in peace. Shukriya. I would like to take this opportunity to offer my sincerest and deepest condolences to the loved ones of the victims of the terror attack in Quebec. I, like many Canadians, am shocked by this act of senseless violence perpetrated against peaceful members of a religious community in Canada. We must not let acts such as this tear at the fabric of Canada, at the fabric of Quebec. This fabric has been woven through the centuries with the painstaking labor of visionary leaders and willing citizens. Our aspirations as a community, a culture, and a country have always been more ambitious than our population would indicate. But we have always managed to live up to these aspirations and even to exceed them, creating a wonderful mosaic that is the Canada, the Quebec of today. Our rich diversity is a point of strength, not discord. It makes us resilient and future-driven as we look forward to the possibilities and challenges the 21st century offers. Let's come together now against hatred and discord and in cooperation for the bright future that we can build together. J'aimerais profiter de cette opportunité pour offrir mes sincères et profondes condoléances aux familles et aux proches des victimes de la récente attaque terroriste à Québec. Je suis comme la plupart des Canadiens choquée par cet acte de violence insensé perpétré contre des membres paisibles d'une minorité religieuse au Canada. Nous ne devons pas laisser de tels actes déchirer la société du Canada, la société du Québec. Cette société a été créée pendant des siècles avec la main-d'œuvre des leaders, des citoyens. Nos aspirations comme une communauté, une culture, un pays étaient toujours plus ambitieux que ce que la grandeur de notre population indiquerait. Cependant, nous étions toujours capables de réaliser nos aspirations, même de les dépasser, créant une mosaïque qui est le Canada, le Québec. J'aimerais juste terminer en disant mes condoléances aux familles et aux victimes. Restons ensemble, combattre la haine et la division. Merci beaucoup. Bonne nuit. Merci à tous. On voulait faire ça bref parce qu'on sait que c'est des moments de recueillement. Je vais vous demander, au nom des personnes qui ont été assassinées, de prendre une minute de recueillement. Si vous voulez prier, vous priez. Si vous voulez être en silence, vous êtes en silence, comme bon vous semble. Merci à tous. J'espère qu'en retournant chez vous ce soir, il y a deux choses qu'on va avoir fait. D'abord, on vous aura montré les visages divers de toutes les gens qui s'identifient comme musulmans. Donc, il y a une diversité incroyable qu'il y a eu sur scène, il y en a encore une plus grande dans la foule. Et la deuxième, c'est si on ne prend pas action et si vous, comme chacun des individus, vous n'arrêtez pas et vous ne vous exprimez pas et que vous ne dites pas haut et fort quand quelqu'un traverse la ligne et commet des actes ou des gestes ou des propos haineux,
ça ne fonctionnera pas. Donc, on a besoin de vous. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à tous les politiciens d'être venus. Merci à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée, tout le monde.